Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Gmanamé, précisément sur la montagne d'Ézéchiel, comme vous pouvez déjà le voir sur l'affiche derrière nous. Eh bien aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 août 2018, le premier jour qui marque déjà les festivités de la fête mariale, la montée de la Vierge Marie que célèbrent aussi les chrétiens de la très sainte église de Jésus-Christ. Et comme vous pouvez déjà le voir derrière moi, ils sont nombreux, c'est Dagbovi, qui viennent des diverses communautés du Bénin et d'ailleurs, et aussi des pays de la sous-région comme le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou bien la France, pour célébrer déjà en compagnie de Dagbo, de la Cour Céleste, de Naïe Nicole, du Très Saint-Père, pour le début de ces festivités. Nous allons vous faire une petite visite guidée de la Sainte Colline, principalement des lieux emblématiques, les lieux de prière. Je vous invite à me suivre. Nous allons tout de suite à la découverte du calvaire. Nous allons en parler tout de suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons à la découverte des lieux de prière, de recueillement. Premièrement, je vous invite à la découverte du calvaire, comme vous pouvez déjà le voir derrière moi. C'est le lieu où nous voyons déjà le Christ sur la croix. Donc, nombreux sont les Dagbovi qui viennent sur ce lieu-là pour prier, présenter leurs diverses intentions au Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui s'est sacrifié pour nous, pour le salut de nos âmes. Après cet endroit que vous venez de voir, nous allons à la découverte de Notre-Dame de Dijonguier. Comme vous pouvez déjà le voir derrière moi, nous retrouvons maintenant devant Notre-Dame de Dijonguier. Comme son nom le dit déjà, le 10 janvier, on le sait tous, c'est un jour particulier où les forces occultes, les supports de Belzéboul et tout, se manifestent de plus en plus dans la vie des hommes. Et Notre-Dame de Dijonguier est celle-là qui mène un combat farouche contre ces forces occultes, contre les supports de Belzéboul. Et vous pouvez déjà le voir dans sa main, ce feu calcinateur-là, qu'elle déverse de jour en jour sur les forces du mal, particulièrement les sorciers et tout ce qui va avec. Vous pouvez déjà voir la manière dont elle a piétiné le serpent antique, elle a piétiné Belzéboul. C'est de cette manière-là qu'elle combat tout ce qui va à l'encontre de la lumière, tout ce qui est obscur dans la vie de chaque Dagbovi. À travers ces diverses images, vous pouvez voir l'autel où se célèbrent les diverses messes, principalement la messe pontificale, les enseignements de sa sainteté, le pape Christophe XVIII, de la représentante de la Vierge Marie, Naïe Nicole, et de Dagbo, Dieu Esprit Saint dans la chair. Vous pouvez également voir déjà que les uns et les autres s'affairent encore au travail pour la décoration de ces lieux aux couleurs de la Vierge Marie, le bleu notamment. Et on peut voir également l'emplacement des membres du clergé, les prêtres, les évêques, les éminences et tous les Dagbovi qui sont déjà présents et qui s'installent déjà pour ne pas se faire compter l'événement. Pour ceux qui ne connaissent pas, la colline de Gmanamé, c'est un domaine de plusieurs hectares aménagé par Dagbo, Dieu Esprit Saint dans la chair, le Très Saint-Père et tous les membres du clergé, ceux-là qui travaillent de jour comme de nuit pour le plaisir de ces pèlerins, ceux qui viennent de par le monde pour venir célébrer Dieu dans la chair, comme il a déjà annoncé à travers les temps, à travers le prophète Ézéchiel depuis fort longtemps, qui sera là parmi nous, parmi ses enfants, pour les appeler à lui pour le salut de leurs âmes. Les